Bonsoir et bienvenue sur la T3GT TV. Ce soir, nous sommes à Top Gun Racing. C'est la première manche de ce nouveau championnat qui aura lieu tous les lundis soirs du mois d'avril. Donc, nous sommes sur la manche 1. Nous avons la poule C. Donc là, nous sommes bien, nous sommes pas en retard. Nous sommes sur la piste de Sardaigne, la piste A. Donc, c'est un circuit original Gran Turismo. Il est en Italie. La longueur est de 5 km 113 exactement. Donc une très très belle piste. Nous ne pouvons pas avoir de pluie ce soir. En Italie, il fait beau, on le sait tous. Il fait toujours beau en Italie, donc c'est toujours un plaisir. Donc en plus, nous avons une poule là qui se remplit au fur et à mesure. Donc nous sommes pas en retard, nous sommes bien, nous sommes cool. Donc là, c'est super. Allez, on va parler un petit peu de ce combo. On va aller voir de suite ce qui se passe. Et moi, j'ai oublié de mettre mon deuxième casque. Donc, ça va parler comme ça. Ça va être embêtant pour moi. Hop là, je l'ai récupéré. Et je l'ai mis. Voilà. Allez, vous ne voulez pas entendre, mais moi, j'ai le retour son dans les oreilles. C'est horrible. Voilà. Allez. Comme ça, moi, j'ai plus ce retour son. C'est nickel. Allez, là, on a les pilotes qui sont arrivés. Allez, on va parler un petit peu de ce combo. Donc nous sommes bien sûr en course réelle, nous avons 42 tours donc de ce superbe circuit, la ligne droite la plus longue fait 915 mètres. Alors la météo, c'est une météo personnalisée avec pas mal de couverts pour finir sur du soleil, bon quand même nuageux, on va pas se le cacher. Allez, l'usure pneumatique en x7, le carburant en x2, le ravitaillement va être très très long, donc attention les pilotes qui sont capables de faire de la grosse écho. Ils peuvent avoir quelque chose à jouer, plusieurs stratégies. On a testé plusieurs stratégies, mais j'en parlerai un peu plus tard durant la course, on ne va pas en parler trop tôt. Les dégâts sont en fort, donc attention, les murs sont proches de la piste. Ne pas aller trop loin, rester propre. Les qualifications durent 15 minutes avec des usures en x2 et x2. Donc c'est vraiment, ça va être très très sympathique. Les deux moyens sont obligatoires. Donc là, il n'y a pas le choix, faudra les poser. Après, on fait ce que l'on veut. Les pénalités de raccourci sont en faible, toutes les autres pénalités sont désactivées, sauf la coupure de ligne de stand et bien sûr les drapeaux. On essaie de se rapprocher au maximum de la CIMU. Donc voilà. Allez, et les aides sont interdites, sauf l'ABS et le contrôle de traction. Alors ce soir, nous serons sur un véhicule, la F-Type Group 3. Donc un super véhicule. Donc en plus, on va avoir les paramètres qui vont apparaître. On aura ce soir, donc on aura 504 chevaux. Pour une tonne de 180, donc on aura des poids qui seront quand même un rapport poids puissance qui sera vraiment très très bien. Au niveau pilote, on aura un peu de toutes les catégories, donc on aura de la PSR avec accord, de la GRT avec Nick Taff, de la RP1 avec Smoker, on aura moteur frag, je ne sais pas de quel team il est, on a de la ZPR avec Chapid, le RC avec Zar, Pitabor, un ami suisse. Donc la Sunset avec Zizou, la SDET avec Cosmic, la T3GT sera représentée par Romain Romanino. Donc ensuite Fredzen de la DTS, la TIR avec Greg et la RPA pour finir avec Nota. Allez, on va leur mettre comme quoi on va lancer dans 2 minutes. Et comme ça, ce sera parti pour les qualifs. Juste le temps que je refasse mon contrôle son. Comme ça, moi, ils sont au courant. On n'a pas beaucoup de retard. On est bon, on est bien, on est pas mal du tout. Donc, allez, on va juste refaire le contrôle son pour être tranquille. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et comme ça, moi, on sera vraiment au top du top. Allez, ça n'a pas l'air mal du tout. On va laisser comme ça. On va pas se prendre plus la tête que ça. Allez, on va lancer les qualifications. Allez, on a encore une petite minute, on va leur laisser encore une petite minute de plus. Hop là, je file de tout paramétrer. Salut Happy qui vient de nous rejoindre sur le live. Allez, on va leur mettre au go une minute. Comme ça, moi, ils sont prêts, ils sont chauds. Ils sont comme il faut. Voilà. Allez. Hop. Et là, on n'aura que 4 minutes de retard. Ce sera vraiment rien du tout. Salut Zizou. Voilà, la Sunset qui arrive sur le live aussi.
Bonne course à tous les pilotes pour vous. Bon live. Donc, en tout cas, j'essaierai de vous faire un bon live. Il y a des choses que je ne peux pas garantir à 100%. Voilà. Allez, là on y est presque. On est pas mal. On attend le 4. Ça va arriver. Et là, allez, on attend le 4. Bon, j'ai pas envie d'attendre le 4. Allez, go! Comme ça, ils sont bien, ils sont comme il faut. Voilà, allez. Hop, hop. Tac, on est prêt à avancer. Les qualifs. Allez, de toute façon, on a du retard, donc on peut commencer les qualifications. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Le 4 vient d'apparaître, donc on est vraiment nickel chrome ce soir. On est parfait. Voilà, allez. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Allez, bon courage pour ces qualifications pour tous les pilotes, sans exception. Voilà, allez, hop, on vient sur les... Allez, ah, voilà, allez, on est sur un pilote qui sort, tant mieux. Voilà, il fallait bien arriver à en attraper un moment ou un autre. Et là, c'est parti. Ça se présente. Tac, tout affiché. Allez, voilà. L'octar de la RP1. On va faire un petit tour des livrées pour cette... hop là. La livrée RP1 avec le numéro 23 pour Noctar. Très joli. Monster Frag. Hop là. De la PRT. Voilà, la PRT. Il est là. Comme ça, on sait de quel team il est. Le pilote de la Zephyr, Chappy. Voilà, le numéro 32. Avec la livrée de la Zephyr. Allez, Nick Taff de la GRT. Avec son numéro 86. Une voiture en or. Très jolie. La RPON. Ah, Nocta qu'on a déjà vu. Voilà, on va juste refaire un petit tour comme ça. Allez, Cosmic de la SDET. Oh, attention. Juste j'arrive sur lui, il est limite à se sortir. Ah, très sympathique aussi, le numéro 24. La T3 GT. Voilà. Les copains, ils sont là. En plus, ils passent vraiment au ralenti. Donc, c'est parfait pour se relancer, pour partir dans son tour qualif. Voilà, la livrée maison de notre ami Pala pour la T3 GT. Allez, Pitabor qui est là de la PRT. Oh, jolie la livrée qui change de couleur. Très jolie avec le numéro 81. J'aime beaucoup. Allez, Smoker avec la livrée classique numéro 52 de la RP1. Romanino de la Zeta. Je ne savais pas de quel team il était, mais il est de la Zeta. Oh, le voilà. Salut Pala. Salut Valkyrie Jax. Allez, Fred Zed de la Zeta aussi, avec cette livrée grise et jaune. Ensuite, nous avons Xa de l'ERC, avec le numéro 17. Un vert qui part en dégradé de blanc pour l'arrière. Très très joli aussi, j'aime beaucoup. Allez, la tire. La team Yakuza avec le numéro 77. Le noir en bas, le blanc au-dessus. Du deux tons. Très sympa aussi. Et la Sunset représentée par Zizou. Très très jolie aussi. La voiture. Et on a. Et on va aller voir un corps. Enfin, je pense qu'il ne manque qu'un corps qui est là. De la BSR. Voilà, comme ça on aura fait tout le monde. Très très joli aussi. Allez, c'est le numéro. Ah, bon, j'arrive pas à lire son numéro à corps. Je dirais le numéro 0, moi je dirais. Voilà. Allez, c'est parti. On va un peu plus s'occuper des chronos quand même. Parce qu'on est là pour ça. Al, salut Jouve. Salut Pinker. Enfin, y a déjà pas mal de monde là. Voilà, les premiers chronos sont faits. Donc, 1.41.034 pour Pitabor qui a pris le record, la pole position provisoire pour ses qualifications, suivi de Xar
Zach vient d'arracher la deuxième place à Nocta. 1.41.119. 85 millièmes entre les deux premiers. Donc là, c'est dit, ça va rouler fort. Donc allez, Nocta qui est troisième pour l'instant. 1.41.254. Donc là, c'est parti. Donc Romain qui prend la quatrième position pour l'instant. Donc Romain de la T3 GT, 1.41.479. C'est tout du proviseur cosmique qui est cinquième, 1.41.527. 493 millièmes, moins de 500 millièmes entre les 5 premiers. Donc c'est vraiment du très très serré. Romanino 6ème, regardez, encore moins, 712 millièmes entre le premier Romanino. 1.41.746. Vraiment, on a de superbes chronos. Greg de la Tire qui se retrouve 7ème avec 1.42.510. Le premier pilote à plus d'une seconde. Mais on doit arriver à la 7ème en sachant que c'est que leur premier tour. Salut, salut Laurent. Oh, et Fresnel qui a eu un souci. On va revoir ça de suite. Qu'est-ce qui lui est arrivé au pilote? Je pense que c'est arrivé un petit peu fort. Ça a dû toucher. Il était en violet. Ah, dommage. Il était en violet, le pilote. Et il est allé, il a mordu l'herbe. Et ça va lui coûter très très cher. Là, il va falloir qu'il... En plus, il galère pour repartir. Voilà, c'est vrai que c'est pas pratique. Allez. Allez, oh là là. Oh, Izizou qui arrive. Allez, on va le laisser tranquille. On va le laisser quand il est tranquille. Allez, Nick Taff qui s'est arrêté au stand pour l'instant, qui a la dixième position. Allez, Zizou qui est dixième. Ah voilà, parce que ça se remet au fur et à mesure à jour. C'est toute la joie de GT7. Ça arrive, c'est comme ça. Allez, Accor qui prend la 11e position provisoire pour l'instant. Voilà, mais là on voit que les pilotes n'ont pas forcément fait des chronos pour l'instant. Allez, on va retourner sur la tête de course. Avec Za qui vient de prendre la tête de course devant Pitabor avec 1.40.365. Un très très bon chrono. Et ça descend, ça continue. Il y a toujours un pilote en perdition. Il peine à repartir. Accor vient d'améliorer son chrono avec 1.41. J'ai pas vu la fin, c'est un peu rapide. Allez, Pitabor, deuxième pour l'instant. Ouais, il y a toujours Fredzette qui a un souci, j'ai l'impression, le pilote DTS. Allez, Pitabor, deuxième, toujours là. Troisième, Romanino, 1.40.074. Quatrième, oh, il vient de passer cinquième parce que Nocta vient de récupérer la deuxième position. Un très ouais, voilà. Et Romain qui en profite, il récupère la quatrième position et il se retrouve de nouveau cinquième avec Romanino qui vient de refaire un chrono. Là, c'est vraiment, ils sont au coude à coude tous ces pilotes. Allez, Monster qui est sixième. Là, on voit que les chronos ça défile. Tous ces pilotes sont à l'attaque. Cosmic septième. 8ème pour Chappie. On voit que ça roule. 9ème pour Greg. Regardez, une seconde entre le premier et le 9ème. C'est vraiment, c'est dingue. C'est dingue. Salut Fouini. Voilà. Allez, Zizou 10ème. Ouais, même Zizou. Accor 11ème. On voit vraiment que c'est très très serré avec tous ces pilotes. Ah, oh, par contre, Rezen, je sais pas, il doit avoir un souci, il doit avoir un problème volant ou un problème pédalier parce qu'on voit qu'il est. Je sais pas, presque, il faudrait qu'il fasse le start et qu'il relance son volant. Je sais pas du tout ce qui se passe. Dans le pire des cas, on ferait une grille manuelle et je le mettrai dernier si vraiment ça bloque. On va voir ça après. On va aller jusqu'au bout des qualifs et on verra ça après. Allez, Accor qui a pris la tête de cette qualification avec 1.40.296. Le pied de BSR qui s'est pas laissé impressionner par tous les autres. Qui a réussi à mettre 69 millièmes d'avance sur Xar de l'ERC. Donc, et on voit les chronos qui descendent de tous les pilotes. Romain qui vient de récupérer la troisième position de la T3 GT. 1.40.755.
Et voilà, Romagnolo qui récupère cette troisième place. Lazzetta qui est en forme aussi ce soir. Une 44-191. Ils sont tous chauds. On est à la 9e minute de ces qualifications. Et là, pour ça, ils sont vraiment... Oh, attention à Romain et Cosmic qui ont failli se toucher. Ou s'ils se sont rayés les pare-chocs, c'est possible. Attention, Pitamor qui se retrouve 6e. Le pilote PRT. J'ai l'impression que c'est une pièce PRT, Pitamor. Oui, c'est sa PRT. Allez, 1,40-847. Donc vraiment, tout le monde est à fond ce soir. Allez, Noctar de RP1 qui se retrouve 7e. Allez, Greg 8e de la TYR. Allez, Chapi. Oh, il est au contact pour Chapi. Chapi qui vient de détruire la voiture. Voilà, qui a directement fait start pour rentrer dans les stands. Allez, Monster Frag. Qui est 10e pour l'instant. Allez, 10e, moins d'une seconde quand même. C'est vraiment très très serré ces chronos. Allez, Cosmic 11e. 12e pour Zizou. 12e premier pilote à une seconde. Et Smoker qui est 13e. Et Fredzen qui doit être en train de réparer son pédalier, je pense. Ou sa boîte de vitesse, parce qu'il a quand même eu un souci tout à l'heure. On pourra le voir sur le live. Qu'il a eu un souci. Parce qu'on voit qu'il n'arrive plus à passer ses vitesses. Ou il n'arrive plus à commander sa voiture comme il faut. Allez, Exact qui vient de récupérer la pole position provisoire. 1,39,982. Le premier pilote à descendre sous les 1,40. Vraiment bien joué à lui. Vraiment une superbe prestation du pilote ERC. Vraiment rien à dire à ce niveau-là. Voilà, donc là on le voit, Accord deuxième. Là qui est relayé en deuxième position à 314 millièmes. Est-ce que le pilote BSR va pouvoir répondre au pilote ERC pour récupérer cette tête, cette pole position provisoire? En tout cas, Accord ne se laisse pas faire. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? Ça sera pas en avance, mais en tout cas, le chrono est beau. Allez, Nick Taff, le pilote GRT qui est troisième maintenant. Qui vient de faire un super... Oh, et Smoker qui vient de récupérer la deuxième position. Smoker, 1,40,018. Ah, quel... Oh, il sort dans le gravier. Il taille tellement vite qu'il ne pouvait plus freiner. Allez, Smoker qui vient de récupérer la deuxième position à 1,40,018. Il est presque à passer au-dessous des 1,40. Allez, il nettoie les pneus pour repartir de plus belle. Ce tour-là est à jeter. Allez, Accord troisième. Pour l'instant, une très très belle prestation du pilote BSR aussi. Nick Taff quatrième. On a la poule C, mais on a du très très beau monde dans cette poule C. De toute façon, on peut voir aux écarts pilotes. Parce que franchement, c'est plus qu'équilibré entre chaque pilote. Donc Romagnolo de la Zeta qui est là, qui prend la 5e position. Regardez, 160 millièmes de retard sur Nick Taff, 264 millièmes d'avance sur Romain. Vraiment, il n'y a rien à dire. Romain qui s'est arrêté au stand pour mettre des gommes fraîches. Allez, Greg, oh, attention de ne pas aller trop loin. Le sable, ça coûte très très cher. Allez, là on... Justement, regarde Kimi, salut à toi et je suis sur ton pilote, sur Greg. Voilà, tu peux le regarder en direct. Allez, pour ça, il a une très très belle 7e position. Il est à 858 millièmes et on a une amélioration d'Accord. Accord qui est donc reprendre, qui a répondu au pilote ERC et au pilote RP1 avec un superbe 1,39,954. Les chronos descendent à une vitesse grand V. 28 millièmes d'avance pour Accord sur XA. Et on va dire 64 millièmes entre Accord et Smoker. Vraiment, c'est ridicule. Voilà. Ah, plus rapide que la poule B. Ben oui, ils peuvent être plus rapides. Oui, salut Doug. J'adore ton message. Mais tu sais que moi, c'est pas CACA, c'est FAFA.
Ah, tu feras toujours rire, Bandung. Alors, eh oui, ils sont très très rapides. Regardez, Smoker qui est en avance. On va se mettre à l'intérieur de la voiture de Smoker. Ah, on peut pas se mettre à l'intérieur, mais on va se mettre sur son capot. Voilà, directement. Nocta qui vient d'améliorer aussi. Romain qui vient de récupérer la 7ème position. On voit que là, ils se battent vraiment comme des fous. Allez, Nocta qui allume en violet pour l'instant. On va aller voir si ça continue au deuxième partiel. On va arriver dessus. C'est toujours en violet, 222 millième. Allez, ça... Oh, ça va loin, ça touche. Est-ce que ça... C'était trop loin. Est-ce que ça réussit à garder? Allez, on va le suivre jusqu'au bout. On va aller voir. On va aller voir ce que ça dit. Ouah, je pense que là c'est un peu mort, dommage, parce que là il le tenait, il avait 222 millièmes en violet. Il avait la tête de course, la tête des... Et en plus les qualifications sont terminées. Ça n'améliorera pas pour Smoker. Allez, on va aller voir un petit peu. Accord, il est dans son dernier tour. Qui va arriver sur l'arrivée. On va aller le suivre, voir si ça va améliorer pour Xa. Oh, le gros travers de Xa, ça va être compliqué pour lui maintenant pour améliorer. Il était bien parti. Mais ça va être compliqué. Allez, qu'est-ce que ça va dire pour Xa? Pitamore qui a bien amélioré. Donc Xa, ça n'a pas amélioré. Allez, on va aller voir Accor. Accor qui est dans la montée. Il y a beaucoup de pilotes là qui passent les lignes. C'est déjà passé pour pas mal de pilotes. Romain qui en termine en améliorant, mais qui aura la 9ème position. Romain, il ne s'est fini. Allez, on va retourner voir Xa. Hop là. Hop, Accor. Accor qui est toujours sur un tour lancé. On va voir si ça va améliorer. Mais pour l'instant, il a la pole position assurée. Ça va être vraiment très très bon. Ah, Frezen qui vient de faire un chrono. Il a dû rebooter, je pense, son pédale est rebooté. Zizou qui améliore aussi. On voit que c'est vraiment serré avec tous ces pilotes. Allez, on... Alors, qu'est-ce que ça va dire? Est-ce que ça va refaire... Non, ça n'améliore... Ouf! Si, ça améliore. Une 39-902. Bravo, Accor. Bravo, la BSR. Vous avez franchement... Accor a fait le taf, il a la pole position, il a le point de la pole position aussi. Alors sachant qu'il y a un point pour la pole position et un point pour le record du tour. Donc là, le pilote BSR a fait le taf. Xa qui terminera, qui partira à côté de lui avec cette voiture verte. 80 millièmes entre les deux premiers, 116 millièmes entre les trois premiers. Allez, Smoker qui sera sur la troisième marche, prêt à partir aussi. Voilà, là, ça va être... Ça va donner vraiment tout ce qu'ils peuvent. Ils vont donner tous ces pilotes. Quatrième, Pitabor de la PRT. Cinquième, Nick Taff de la GRT. Sixième, Monster Frag. 7ème la RP1 avec Nocta. 8ème Romanino de la Zeta. Hey, on aurait dit qu'il le tracte tant qu'il est près Nocta derrière. Allez, Romain de la T3GT qui a pris la 9ème position en améliorant son dernier tour. 1.40.498. 10ème Chapi de la Zephyr. 11ème Greg de la TYR. Allez, on va leur mettre un petit déjà, je vais faire ça comme ça, moi je suis tranquille. Hop, je me fais les deux photos et on va y revenir de suite. Alors, on va marquer, il est 22h22, on va marquer go 22h25, comme ça au moins ils auront le temps de faire une petite pause boisson. Ouais, allez, comme ça au moins ils sont prévus, ils peuvent aller faire une petite pause rapide. Alors, Accor a réussi à récupérer la pole position. Donc, le pilote BSR, une 39-902. Ils ont été deux à passer au-dessous des 1.40. Donc,
Alors, Xa de l'ERC deuxième avec une 39.982, 80 millièmes entre les deux pilotes. Smoker de la RP1 qui se retrouve troisième avec une 40.18, 0.18 même plutôt à dire. Pitabor, notre ami suisse qui se retrouve quatrième, alors une 40.201. Nick Taf de la GRT cinquième, une 40.331. Monster Frag 5, 6e, une 40.352. Nocta de l'RP1, une 40.465. Regardez, une demi-seconde entre le premier et le septième. Romanino, une 40.491, 8e. 9e pour T3GT Robin, une 40.498. Un petit peu ces chronos, on voit les écarts qui sont vraiment. Chapi de la ZPR, une 40.750. Greg de la TYR, une 40.812, 910 millièmes entre le premier et le 11e. La SDET Cosmic, une 40.880. Le dernier pilote au-dessous de la seconde, 978 millièmes, le 12e. C'est énorme ce soir ce qu'on a. On a vraiment quelque chose de dingue là ce que vous êtes en train de nous faire. Zizou de la Sunset, une 40.968. 1 seconde et 66 millièmes. Et alors, le 14e, c'est le pilote DTS, c'est Fredzen, le malheureux, on va dire, parce qu'il a eu un bug volant. Vous avez pu le voir sur le live, il a marqué qu'il avait un bug volant. Donc, il fait quand même une 41.286. Donc, sans son bug volant, je pense qu'il aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais rien n'est fait. Il a perdu le point de la pole position. Mais attention, rien n'est joué. Donc, là, hop là, on va fermer, on va regarder. Il est 25, ça va être l'heure de lancer. On regarde dessus des petits messages. Ah oui, voilà, Cosmic, il faut lâcher le frein à main. Voilà, c'est Joe qui le dit. Donc maintenant, à toi de faire. Et ah, voilà, la PRT qui dit allez, Monster. Allez, Pete. Allez, bonne course à tous. Bien sûr, bonne course à tous. On sait que ça ne se gagne pas au premier virage. Par contre, tout peut se perdre au premier virage. Alors là, je leur mets go. Je vais faire commencer la course, là. Comme ça, je lance tout. Et on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Moi, je vais apparaître sur la grille, mais je vais vite disparaître pour les laisser tranquilles. Puisque là, c'est à eux de jouer. Je fais ça juste pour les interviews, parce que c'est quand même plus pratique que de créer des salons, de bidouiller les salons. Ah, tout va. Voilà. Moi, j'apparais en 15e position. Hop. Tac. Je quitte et je reviens de suite comme ça. Allez, oh. Allez, j'ai le petit bug comme d'habitude. Alors, on va regarder comment ça se passe derrière. Ça a l'air d'être propre pour l'instant. On va descendre tranquillement le freinage. Voilà, devant ça se bataille, c'est propre. Pas d'erreur de pilote. C'est très très joli à voir. Ça se retournait même derrière. Ouais, vraiment, c'est magnifique. Ça se range bien, c'est propre. Allez. Dessus, ça se décale pour. Ça défend bien entre Romain et Nocta. Romain qui se décale aussi. Qui va essayer d'en profiter sur Nocta. Mais c'est pas passé. Allez, hop, vite, je quitte. Je relance pour avoir toutes les vues. Et j'en profite pour mettre toutes les images. Tac, toute la télémétrie de la voiture. Allez, voilà. Oh, Zizou qui a eu un souci. On va de suite voir qu'est-ce qui s'est passé pour Zizou. Ça a cogné. Hop là, Zizou, c'était le 13e. Je ne sais pas où ça a cogné, mais ça a cogné pour le piètre. Ouah! Ah oui, ça a tapé dans le Cosmic. Ah oui, donc il a perdu du temps. Bon, ça va, il a peur d'avoir eu de casse pour Zizou. Alors, on va aller voir chez Cosmic. Non, non, Cosmic aussi, c'est bon, pas de souci à se dire. Allez, Accor qui essaie de suite de faire un gaffe, mais c'est pas fait. Ouf! Smoker qui va bien dans l'herbe. Bah, attention! Allez, les trois premiers sur la grille qui sont vraiment collés entre eux. Allez. Ça va loin. Attention, messieurs. Ah, il y a toujours ce bug. Il voit qu'il doit arriver. Allez, donc, à la fin de ce premier tour, Accor premier, deuxième, Xa. Ça s'est collé, ça se décale pour Xa. Est-ce que ça va y aller? Oui, ça veut y aller. Ça passe devant Accor. Est-ce que ça a encore à l'avantage du virage?
est à l'intérieur, et voilà, encore. Ou Xa qui reste à l'extérieur. Et c'est passé pour Xa. Xa entendre, encore en moyen. Donc encore est en grosse défense pour l'instant. Donc Smoker, troisième en moyen aussi. Allez, Xa, va falloir qu'il fasse un gros travail, un gros gap sur Accor et Smoker, puisque pour l'instant, il n'a pas les pneus obligatoires qui ont été posés. Donc attention. Allez, Nitaf derrière qui suit le rythme, avec Pitabor, Mosfag, Nocta, Frenzen. Frenzen qui est parti 14e, qui est déjà 8e. Le pilote a fait le taf. Romanino 9e, 10e pour Greg, 11e pour Zizou. Et là, vous savez quoi, je m'inquiète un peu, je vois pas les copains. Allez, ça bataille entre Greg et Romanino. Voilà, Greg et Romanino qui se décale, je pense, pour un peu pour voir la piste. Puisque là, ils sont. Et oui, ça bataille dure. Oh, et Greg qui prend l'herbe. Est-ce que Romanino va pas en profiter? Non, il peut. Ouf, il a tenté. Il a tenté. Et Zizou en profite. Zizou se cale à côté. Ils prennent vraiment tous les risques ce soir. Allez, chapitre 12e. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces pilotes? Chapitre Romain qui est là. 13e. Qui est en tendre. Donc là, il va être à l'attaque. Je pense qu'il a dû s'arrêter au sol parce qu'ils ont dû avoir des dégâts, ces pilotes là au début de la course. Cosmique. Allez, on va retourner voir la tête puisque. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé pour Accor? Pour Accor, on va le taguer et on va aller voir Accor. On va voir si on voit ce qui s'est passé parce qu'Accor, il se retrouve 5e de coup. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait passer par tout le monde. Après, il est en moyen, donc c'est problématique, je pense, pour lui. Pour Accor, c'est compliqué parce que tous les pilotes devant sont en tendre, sauf peut-être Smoker. Et voilà, il y a Accor qui va se faire attaquer par Pitabor. Voilà. Et c'est fait pour Pitabor. Voilà, Accor ne résiste même pas. Donc les pneus, ça joue énormément. Ça coûte très très cher. Allez, on va aller voir un petit peu Xa qui est en train d'essayer de s'enfuir. 2 secondes 3 d'avance sur Smoker. Smoker qui est en moyen lui aussi. Et il donne tout ce qu'il peut, cette Jaguar. Allez, Nick Taff qui est revenu sur Smoker. Qui est en tendre. Monster, pareil, il doit être en tendre. C'est ça, il est en tendre aussi. Pitabor, voilà, qui vient de doubler Accor, qui est en tendre. Accor qui essaie de résister avec ses moyens, mais il souffre. Vraiment beaucoup Accor. Même s'il fait des très bons chronos avec des pneus moyens, il souffre, le pilote BSR. Allez, Nocta qui se retrouve 7e. Ah, c'est vraiment, il se retrouve dans. Voilà, Nocta qui est en moyen aussi. Frenzen qui est en moyen, qui a un dégât à l'avant. Donc il est en train de faire son relais avec un dégât. Donc j'espère qu'il a une solution de secours pour pouvoir réparer plus facilement. Sinon, ça va être très très long pour le pilote. Ouais, on vient de voir. Greg de la tire qui était dans l'herbe. Voilà, bon, après l'herbe, c'est pas bien méchant, ça abîme pas la voiture, ça salit juste un petit peu les pneus. Romaino 10e, Zizou 11e. Et là, il y a un gap énorme entre Zizou et Chapi, 21 secondes. La course est longue, mais il va falloir cravacher pour rattraper tout ce temps. Chapi et Romain, 8 secondes. Romain et Cosmic, 14 secondes. 6 secondes, pardon. Et Cosmic, ils se retrouvent en 14e place. Allez, on va retourner voir la tête passe. Wow, qu'est-ce qui se passe là derrière? Allez, Monster, on va y prendre Nick Taff. On va faire ça. Et on va aller voir ce qui s'est passé entre Nick Taff. Entre Smoker, Nick Taff. Déjà, Monster qui a réussi à doubler Nick Taff. Et Smoker qui va trop loin, qui se fait doubler par Nick Taff. Donc, Monster. Et Nick Taff sont passés devant Smoker.
Donc là, la bataille, elle est donnée. Et Pitamor qui va en profiter, qui va faire de même le pied de PRT. Voilà, qui va faire l'intérieur à Smoker. Et les moyens coûtent, font perdre du temps quand même au pilote. Smoker défend sa place comme un enragé. Mais pneu tente contre pneu moyen, ça va être compliqué pour Smoker. Il essaye quand même, il retourne à l'intérieur. Et Pitamor se retrouve derrière. Non, il va repasser, il va passer là. Il est toujours à l'extérieur. Quelle belle bataille entre ces deux pilotes. Et Smoker qui a réussi à avoir le dernier mot pour l'instant. Qui se retrouve quatrième, Pitamor cinquième. Mais je pense que le pilote suisse n'a pas envie de se laisser distancer par les camarades de devant, surtout qu'il est en cambre, le pilote suisse. Donc là, il va devoir y aller. Il va pas avoir le choix, il va falloir qu'il passe Smoker, qui est en moyen. Parce que là, sur Smoker est en train de faire une très très bonne affaire par rapport au pilote suisse. Et qu'est-ce que ça va dire? Est-ce que ça va retenter sa chance par là ou ça va attendre la ligne droite? Plutôt ça le tente, mieux je pense il se portera Pitamor. Ça, il reste bien dans les échappements, mais il n'a pas l'impression que là c'est un petit peu plus compliqué. Ouf! Et Smoker qui a fait une petite faute, est-ce qu'il y a eu des dégâts Smoker? Non, il n'a pas de dégâts. Mais on voit qu'il donne tout ce qu'il peut avec cette voiture pour garder cette quatrième place. Voilà, là il est bien placé. 149 millième, alors on va se mettre dans la voiture de Pitamor. Voilà, Pitamor, voilà, on voit que c'est en train de passer. Je pense que ça va être fait avant le... Ouais, il est toujours là, Smoker, on le voit pas, mais il est toujours là. Voilà, c'est fait. C'est fait, il est là. Ouais, il a essayé de recroiser encore. Oh, belle passe d'armes entre ces deux pilotes. Alors, on va essayer d'aller la revoir en vue extérieure. Non, c'est bon, non, on était déjà... Et oui, regardez, il a essayé de repasser. Ah, et la petite faute de Smoker au passage. Ah, il aurait peut-être pas glissé, ça aurait pu tenir. En tout cas, Smoker, il a résisté, mais de toutes ses forces, de tout ce qu'il pouvait résister, ça a été fait. Alors, on va aller voir la tête, ça, 3 secondes 6 d'avance sur Monster. Monster, je pense qu'il a envie d'essayer de prendre aussi de l'avance. Nick Taff 3ème, tous les pilotes entendent, voilà, sont passés. Pitamor 4ème. Alors, le Smoker et Accor, ils vont se donner une bataille acharnée. Ils se sont retrouvés les deux. Ils sont tous les deux en moyen. Donc là, ça va pouvoir y aller entre les deux. Smoker aime bien aller toucher l'herbe à cet endroit-là. Attention de ne pas aller trop loin. Donc, attention, parce que ça peut à un moment ne pas pardonner. Pour l'instant, ça pardonne. Allez, Accor 6ème. Nocta 7ème. Nocta qui fait le taf, qui est en moyen. Et il fait le taf aussi. Frenzen en moyen qui revient toujours avec son dégât. Voilà, qui est toujours 8ème. Il perd du temps avec son dégât quand même malgré tout. Puisqu'il est 253 et on voit que les autres sont à 260 malgré l'aspiration que la Romanino y prend sur Frenzen. En tout cas, ça nous fait un début de course magnifique. Nous sommes au 7ème tour. Il en reste encore un paquet. Donc rien n'est fait. Allez, Greg 10ème. 11ème pour Zizou. Zizou qui est à l'aspiration de Greg aussi. Donc ça... Oui, j'ai l'impression... Non, j'avais l'impression que c'était décalé. Non, non, ils sont juste montrés entre eux. Allez, 12ème. Chapi qui remonte. Puisqu'il est revenu à 16 secondes tout à l'heure. Il avait 21. Donc ça remonte tranquillement. Je pense que là, il va devoir se faire une course en tour chrono. Pour arriver à rattraper cet écart. Même motif, même position pour Romain qui a le record du tour provisoire en 1:47:22. Il va devoir se faire une course complète en tour chrono. Ça va être compliqué pour les pilotes. Allez, et Cosmic qui sera obligé de faire de même. Après, il y avait plusieurs stratégies.
Il y avait une stratégie avec partir un temps, monter des moyens et finir un timbre. Il y avait la stratégie de mettre deux timbres et de faire un relais de moyens pour finir. Et il y avait une stratégie qui était de partir un moyen et de faire qu'un arrêt au stand et de remettre des moyens. Attention, il y a ces trois stratégies-là. Par contre, la troisième solution, il faut arriver à faire des tours quand même relativement rapides avec les deux moyens pour ne pas perdre trop de temps sur les timbres. Attention, ça me paraît risqué, cette troisième stratégie. Je l'ai testé, mais j'ai perdu. Puisque les pilotes qui roulaient avec moi, ils étaient beaucoup plus rapides déjà en temps que moi. Alors en moyen, je vous en parle même pas. Donc allez, Nictaf 3ème, premier XA, 2ème, Monster Fral, 3ème Nictaf, 4ème, Pitabor qui a réussi à faire un petit gap de 2 secondes 3 sur Smoker. Et Accor qui se tiennent toujours les deux. Presque, il faudrait presque qu'ils travaillent un petit peu ensemble les deux, là, Accor et Smoker, pour gagner du temps. Parce que là, pour l'instant, ils sont pas à leur avantage avec ces pneus-là. Après, il faudrait voir un peu comment ils roulent. Parce que, ouais, ils consomment un petit peu moins que les copains, mais pas encore assez, je pense. Pour arriver à faire qu'un seul arrêt, donc... à voir, je dis à voir, voilà. Allez, Nocta. Oh, Nocta qui glisse un petit peu, mais ça repart de suite. Allez, Frenzen qui se retrouve menacé par Romanino, par Greg, par Zizou. Zizou qui décale de suite, là. Qui va sûrement dépasser Greg en se prenant la spi. Oh, non, ça n'a pas dépassé, mais c'est tendu entre les deux pilotes, entre Greg et Zizou. Greg de la TYR, Zizou de la Sunset. Sa bataille entre les deux, et voilà. Et Zizou à l'intérieur, Zizou qui décale, et Romanino qui se décale sur Frenzen aussi. Voilà, magnifique. Allez, on va retourner voir ça. Wow, et Zizou qui essaie de passer de suite Frenzen. Wow, c'est très très beau. Ah, Frenzen qui a ses dégâts, qui défend tout ce qu'il peut. Allez, on va essayer d'aller retourner voir ce qui s'est passé là entre au bout de cette ligne droite. Frenzen qui se fait attaqué par Romanino à l'intérieur. Frenzen n'a rien pu faire. C'est même fait un petit peu embarquer à l'extérieur. Et on voit Zizou qui essaie de prendre de l'intérieur. Peut-être un peu trop de vitesse. Il a glissé, mais il a réussi à bien la récupérer, la voiture. Allez, là, ça... Romanino, Frenzen, Zizou. Oh, Greg, qu'est-ce qui lui est arrivé à Greg? On va essayer de voir ce qui lui est arrivé au pilote. Oh, et il a fait une faute. Et le problème de ce circuit, c'est qu'on ne peut pas manœuvrer. On est obligé de cogner la voiture. Et là, il est reparti. Mais il est reparti en perdant énormément de temps. Et il se retrouve sous la menace de Chappie. Et Chappie qui est de suite passé. Il est en tour chrono, Chappie. Donc là, il va devoir se battre. En plus, Greg qui a pas mal de dégâts sur la voiture. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de son relais comme ça? Ou est-ce qu'il va s'arrêter au stand pour remettre des pneus tendres? On va très vite le savoir. Allez, Romain qui est revenu. 5 secondes, 7 d'avance de retard sur Greg. Et il est toujours en train d'aligner ses tours chrono. Romain, donc. Allez, Cosmic aussi. Alors, on va essayer de retourner voir de la tête de course parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, allez, Zach qui a réussi à prendre 7 secondes d'avance sur Monster Frag. Monster Frag, deuxième. Troisième pour Nictaf. Quatrième pour Pitabor. Accor qui est repassé sur Smoker pour la cinquième position. Ça se passe vraiment bien ce soir. Pas de gros problèmes pour l'instant. Allez, 5-6. Une belle bataille encore. Ils ne lâchent pas le morceau, les deux pilotes. Donc, salut Tonisator. Voilà. Donc là, ça continue. Ça se bataille. Allez, ça, hop là, ça y va, ça continue. 437 millièmes entre les deux. Là, on n'a pas le droit d'avoir de faute. Et je pense que Greg est passé par les stands. On va aller voir ça.
Un corps qui arrive à prendre un petit gap sur sur Smoker. Donc là, allez, la bataille est pour l'instant, il termine entre les deux. Allez, RP1 Nocta qui a 6 secondes de retard sur Smoker et qui a 5 secondes d'avance sur Romagnon. Ça continue à allumer. Allez, Romagnon 8e, 9e pour Zizou, 10e pour Fredzen. Fredzen qui a toujours son dégât, qui essaie de résister, mais c'est dur pour le pilote. Allez, Chapi qui continue, c'est tour chrono. Aïe, ça continue, 10 secondes, ça rattrape du temps. Allez, Romain aussi qui rattrape du temps, qui a toujours le record du tour provisoire. Allez, Cosmic, 13e et 14e pour Greg. Greg qui a remis des moyens tout neuf et qui a refait le plein. Donc, attention, une stratégie peut-être décalée encore, puisque là, il n'aura pas assez d'essence pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Donc, il va peut-être essayer d'aller le plus possible et de remettre juste un coup de timbre. Alexa, 7 secondes 5 d'avance. Les pits ne vont pas trop tarder. Je pense que ça va s'arrêter au niveau du 13e tour. Je pense après les tendres commencent vraiment à souffrir. Les moyens, j'ai réussi à tirer les moyens jusqu'au 21e tour. Bon, les moyens, ils étaient bien fatigués aussi. Monster Frog 2e, Nitaf 3e. Voilà, entre Monster Frag et Nictaf, il y a moins d'une seconde. Mais ça se maintient, l'écart se maintient. Allez, Pit à bord 4e. 5e accord, toujours là, qui a réussi à faire un petit gap d'une seconde, 1 seconde 100 sur Smoker. Mais là, les pilotes se tiennent au maximum. Allez, Nocta, 7e. 8e Romagno, 9e Zizou, 10e Fredzen, 11e, 12e pour Romain. En tout cas, là, on a vraiment du niveau ce soir. Cosmic 13e et 14e pour Greg. Greg malheureux, je pense. Oui, Greg qui va un peu trop loin. Attention à la réaccélération. Voilà. Attention, on a vu qu'il y avait un Brender qui dépassait. Il est allé le tondre. Allez, Xa. Voilà, qui nous fait un festival pour l'instant. Qui a cette première position. Il va attaquer le 13e tour. Et peut-être même un 14e avec ses pneus. Parce que moi je pensais à 13. Parce après les petits essais qu'on a pu faire, on a vu que 13 c'était le bon chiffre. Mais il reste encore de la gomme sur ses pneus. Ah, il y a Monster Frag qui vient de rentrer au stand. Nitaf donc prend la deuxième position. Par contre, Nitaf il a fait une économie sur l'avant gauche, l'avant droit. Oh, et Nitaf qui va faire un petit tour dans le gravier. Petit tour dans le bac à sable. Pitabor 3e. Et Pitabor qui va en profiter pour récupérer pas mal de temps sur Nitaf. Ouais, voilà, c'est fait, le contact est en train de se refaire entre les deux. Piat GRT contre Piat PRT. Attention. Ça y va pour le gain de cette deuxième place. En sachant que je pense que la Rostand ne va pas trop tarder. Accord qui récupère la quatrième position après la Rostand du Piat PRT. Voilà. Smoker 5e. 6e pour Nocta. Allez, on va aller voir ce que le Piat Stand a changé comme deux, a posé. Donc Romanino 7e, 8e pour Zizou. Fredzen 9e, le con Fredzen, le conquérant, en plus quelqu'un autant. Gauche activé. Allez, Chapi qui revient.
puisqu'il reste plus que 7 secondes 5 de retard sur Frenzen. Et Romain qui maintient le rythme de Chapi, donc le chrono, le rythme, il y est de ses pilotes. Allez, Monster Frank qui ressort 12e en moyenne avec le plein essence. Cosmic, toujours 13e. 14e pour Greg. Greg qui est en galère, qui a eu un gros accident. Alexa, toujours premier, 11 secondes d'avance maintenant sur Nictaf. Nictaf et Pitabor. Ah, Nictaf qui a refait un petit gap. Le pied de GRT. Bon. Donc il a réussi à refaire un petit gap. Mais il a fait une superbe économie sur son pneu avant droit. Par contre, son pneu arrière, il est complètement pulvérisé. Et voilà, par contre, on voit les pneus de Xa qui sont. Il a attaqué le 14e tour, mais là, ils sont vraiment en fin de vie. Ça peut durer encore un petit peu, mais pas très très longtemps. Et attention à ne pas faire le tour de trop, parce que ici, le tour de trop coûte très très cher, parce que le contact contre le mur, pardon, le contact contre la glissière de sécurité ou le mur peut faire énormément de dégâts à la voiture. Donc Pitabor aussi a fait une énorme économie sur ses pneus avant. Vraiment, il ne la force pas à l'avant, la voiture, il la force vraiment sur l'arrière. Il a peut-être les freins un peu trop sur l'arrière, parce qu'en voyant les usures, alors que ça, c'est vrai que c'est un peu différent. Allez, accord en moyen, qui a les pneus en très bon état, pas de soucis. Smoker pareil, un peu plus d'usure à l'avant-droit, mais c'est très très beau quand même. Allez, Nocta 6ème, les usures sont bonnes aussi. Allez, Romanino 7ème, qui est en bataille avec Zizou. Zizou qui a des moyens qui sont presque neufs par rapport à Romanino. Allez, Nictaf et Pitabor au stand. Ça veut dire que Accor et que Smoker vont pouvoir. Oh, et Accor s'est arrêté aussi. Accor vient de virer ses pneus moyens. Donc ça veut dire que ça va faire. Ouais, ça va faire du 12 tours, 12-13 tours avec les timbres. Ouais, c'est ça, 12-13, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu plus même. Allez, Xa, toujours premier, le pied de TRC. 19 secondes d'avance sur Smoker. Smoker qui tient le rythme. Nocta 3ème. Romagno 4ème. Romanino et Zizou qui sont toujours à la bataille. La Zeta contre la Sunset. Voilà, s'il va à la Sunset, c'est un peu plus agressif l'avance virage, j'ai l'impression. Différence de pneus, je dirais. Là, on va voir s'il va essayer d'attaquer en haut. Parce que là, ça revient fort pour Zizou sur Romanino. Ça se décale, non, ça se décale pas, ça reste sage pour le pilote Sunset. Tente pas un dépassement de dingue. Allez, Exa qui est au stand. Allez, on va suivre l'arrêt du leader, on va voir où est-ce qu'il ressort. On va l'attendre. Les mécanos sont là avec 4 pneus de l'essence, ils sont prêts à le recevoir. Allez, le numéro 17 est au stand avec cette voiture verte et blanche. Les pneus sont changés, on refait le plein. On descend prendre un petit café, voire un peu plus même. Donc là, ça y va. Allez, Smoker, Nicta est passé, Romaino, Zizou aussi. Est-ce que ça ressort? Va ressortir, ça a mis un peu plus de 3/4 du réservoir. Ça va ressortir, hop là, devant Frenzen. Est-ce que Frenzen va en profiter pour passer? Oui, il en profite, il passe. Attention à ses pneus à Frenzen et toujours son dégât. Donc là, Xa qui est ressorti avec des moyens neufs et 3/4 du réservoir, ça va passer rapidement, je pense. Ouais, non, il défend sa place. Frenzen, il a raison, c'est le jeu. Xa ne lui prend pas un tour, il peut lui défendre sa place. Allez. Ah, Frenzen se décale un petit peu pour préparer son virage. Est-ce que Xa, voilà, Xa va essayer de passer. Voilà, Xa passe ici. Allez, Xa, c'est fait pour Xa. Il vient de récupérer la 5ème position. Bien joué. Allez, on va aller voir Smoker de suite. Comment se comporte la voiture de Smoker?
Booker qui est au 16e tour, il a 5 secondes d'avance sur Nocta. Est-ce Booker et Nocta? Ils doivent encore, s'ils veulent aller jusqu'au bout du premier relais et faire que du moyen, il faudrait qu'ils alignent encore 5 tours pleins. Hein, c'est ça, 5 tours pleins pour faire l'arrêt au 21e tour. Donc, moi, je demande à voir. Allez, Zizou qui est troisième, qui est passé sur Romagnino. Alors, on va voir si on arrive à voir ce qui s'est passé entre les deux. Et Zizou, je pense qu'il était en train de plonger dans les stands. Non, c'était déjà passé pour Zizou. Allez, en tout cas, Zizou qui a plongé dans les stands. Voilà, Romagnino qui récupère la troisième position. Xac qui va récupérer la quatrième. Fred Zen qui continue. Fred Zen qui a changé de stratégie, je pense, qui part sur un long relais, sur des longs relais. Pour essayer de rattraper Accor qui est la sixième, qui a mis des tentes, qui a un demi-réservoir maintenant. Donc là, je pense qu'il est parti pour cravacher son dernier chrono, 1:40.758. Il veut remonter Accor. Donc le premier client devant lui, c'est Fred Zen avec son dégât. Donc c'est bien parti en tout cas pour le pilote BSR. Ah, le pilote BSR qui allume en violet. Alors on va le suivre, on va voir si quand il allume en violet, ça se décale un petit peu pour Fred Zen. Ça laisse passer avec son dégât. Fred Zen, il n'a pas trop le choix. Il peut pas lutter. On sait qu'en plus, il sait qu'Accor, il avait la pole position tout à l'heure. Donc ouais, ça cravache au niveau d'Accor, ce petit passage embarqué. En tout cas, ça y va, le pilote BSR. Il a vraiment 70 millièmes d'avance sur le chrono de Romain qui tient depuis tout à l'heure. Allez, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce que ça va nous faire un nouveau record du tour? Ça retombe la première pour faire piloter la voiture, ça accélère à fond et de suite en deuxième, voilà. Même la deuxième avant de réaccélérer pour pas faire patiner les roues. Et c'est reparti. Allez, on va aller jusqu'au bout. On va aller voir si ça améliore, si ça passe au-dessus d'une 40 ou pas. Mais déjà, à ce niveau-là, avec une 40 et une 40-605, ça améliore le record du tour provisoire. Bien joué au pied de BSR. Ça prouve qu'il veut remonter. Il veut aller chercher Xa. Qui est devant lui, qui voit justement. Allez, Frenzen qui est sixième pour l'instant, qui est poursuivi par Nitaf aussi, qui a mis les temps maintenant. Et Nitaf qui est toujours en temps, qui a pas passé les moyens pour l'instant, donc il va devoir se réarrêter pour au moins mettre les moyens. Allez, Pitabor qui s'est arrêté aussi, qui a remis les temps. Monster Frag qui est en moyen. Cosmic dixième. Cosmic qui a eu quand même pas mal de souffrance depuis le début de la course. Il faut rien lâcher, faut remonter. Allez, Zizou 11e. Oh, attention, la trajectoire un petit peu large de Zizou. Voilà, mais là c'est bon, bien rétabli, pas de problème. Allez, Chapi 12e. Et 13e, Romain Chapi avec les timbres et un peu plus d'un demi-réservoir. Romain est détendre, ouais, il y a un poil plus d'un demi-réservoir, donc ils ont vraiment le même niveau d'essence, le même niveau de pneus. Ils vont relier ça au pilotage, les deux, pour le gain de cette 12e place, une seconde d'écart entre les deux. Allez, et Greg qui est parti, je pense, sur un très très long relais. Il va devoir aligner les tours. Elle n'a pas forcément le choix, le pilote tire. Allez, et Romagnino au stand avec ses moyens. Et il a pas. Il devra faire 2 heures encore s'il fait pas d'écho. Allez, on a Smoker qui est toujours la première. Qui a 4 secondes 16 d'avance sur Nocta. Qui a les pneus en fin de vie. Oh, c'est un peu large. Il est passé short le pilote. Mais en tout cas, il est en avance. Il est premier. Il lui resterait 2 tours pleins, 2 tours et demi pour être à la mi-course avec ses moyens.
Attention. Allez, Nocta, deuxième. Donc, je pense qu'il a la même stratégie que Smoker, Nocta. Ils ont dû bosser ensemble la stratégie. Alexa, troisième, qui remonte avec ses moyens. Accor qui est revenu dessus. Une seconde deux entre les deux pilotes. Ça rigole plus. Voilà, Accor qui rigole plus. Oh, et ça sort large pour ça. Accor va en profiter, je pense. Voilà, et c'est fait pour Accor. On va de suite remarquer ce qui s'est passé pour Xa. Ah, dommage pour lui. Il tenait une très très belle troisième position pour l'instant. Allez, voilà, ça monte plein de balles. J'ai l'impression qu'il loupe un poil sa corde. Non, non, la corde est pas mal. Il arrive peut-être en chouïa vite. Ouf, il la rattrape bien la voiture. Et Accor qui passe. Voilà, et Accor de suite qui va essayer de s'enfuir. Il attend tant de ce coup-ci. C'est l'effet inversé de tout à l'heure. Accor est en temps, Noxa est en moyen. Donc là, ça va y aller. Allez, Nictaf, qui se retrouve cinquième. Il va pouvoir essayer de remonter sur Xa. Ah, et puis Tabor qui est revenu sur Frenzen. Frenzen aussi qui est en train d'essayer de faire le tas pour faire qu'un arrêt. Allez, voilà, et ça bataille. Allez, Pitabor qui va sûrement se décaler rapidement, qui va vite passer. Voilà, ça se décale de suite. Frenzen qui prend l'extérieur carrément pour pas gêner le pilote. Pitabor, voilà, Frenzen qui vient d'avoir la réserve qui s'est allumée. Il lui reste encore un tour à faire après pour faire le contrat. Allez, Monster Fog qui se retrouve 8e. 9e pour Cosmic aussi qui ne s'est pas arrêté, qui ne fera qu'un arrêt, je pense en tout cas. Allez, Zizou qui est menacé par Zizou qui est en moyen 9, donc je pense que ça va pouvoir attaquer pour Zizou. Ça, c'est vraiment bien serré entre les deux. Non, c'est encore peut-être un peu loin pour attaquer au freinage. Voilà. Cosmic qui se laisse pas intimider par Zizou. Allez, Chapi 11e. 12e Romain. Voilà, là, ça moins d'une seconde entre les deux. Je sais que les pilotes ont déjà roulé ensemble, donc ils se connaissent un peu. Romagnino qui est là, 13e. Donc, qui suit le rythme imposé par les deux pilotes de devant. Donc, Romagnino et Greg qui est en moyenne toujours. Qui est parti sur un très très long relais, qui vient de faire son aussi une tour, qui a fait son meilleur cours tour en 1:41 935 en moyen. Allez, Cosmic au stand. Cosmic un petit peu tôt à mon goût. Moi je parie plus sur ce moqueur là qui va s'arrêter à la fin de celui-ci, et sur Nocta qui seront exactement à mi-course. Donc là ça risque de faire mal parce qu'un arrêt c'est pas très très long. Par contre, le ravitaillement en essence c'est un temps de dingue. Mais de dingue. On aurait dit qu'ils sont en train de se servir à la pompe qui fait que faire clac-clac. Pour ceux qui connaissent la pompe qui fonctionne super mal. Voilà, 3 litres par seconde, ça doit être à peu près ça quoi. Allez, Accor 3ème. Accor qui a déjà mis une seconde et demie à Xa. Il fait le taf, le pilote BSR pour gagner du temps. Allez, Smoker qui est rentré. Nocta qui rentre. Accor qui va récupérer la tête de course devant Xa. Et Nictaf. Allez, ça va. Voilà, Accor qui a passé. Xa, Nictaf. Qui passe aussi. Allez, on va attendre Pitabor, voir si ça passe aussi. Je m'inquiète pas. Voilà, Pitabor qui vient de passer. Monster Frag aussi. C'est là où on sait qu'ils vont. Voilà, et Frenzen aussi qui s'est arrêté, le pilote de DTS. Il s'est arrêté aussi. Qu'un seul arrêt pour tous ces pilotes-là, normalement, s'ils repartent en moyen. S'ils repartent en temps, ça veut dire qu'ils feront un arrêt de plus. Voilà, ça.
ça y est, allez, Smoker qui vient de ressortir, il ressort en moyen, donc il fait canard, il fait passer par Zizou sur la sortie des stands. Chappie qui est là, qui est revenu. Et Romain aussi, et Romain qui attaque Chappie. Romain qui attaque Chappie à l'intérieur. Non, ça passera pas, Chappie. L'a dit d'un ton autoritaire, ça passera pas, mais Romain il est vraiment sous le pare-choc de Chappie. Ils sont côte à côte les deux pilotes. Romain à l'intérieur, Chappie à l'extérieur. Ça fait. C'est beau, messieurs. Allez, Chappie qui reste devant Presley. Romain qui se redécale de suite. Ils sont à la bataille, ces deux-là. Ils sont à la guerre. Et Romain qui est à l'intérieur. Ouais, ça se remet derrière. Vraiment, ça se recolle au pare-choc de Chappie. Ça veut y aller. Allez, c'est dans la speed, dans la montée. Est-ce que ça va se décaler au freinage? 130 millièmes entre les deux. Ça se redécale pour Romain. Au freinage. Non, ça reste encore derrière. Non, ça se décale pour freinage. Ouais, ça se remonte dans les rétros. Chappie doit en avoir plein les rétros. Du bleu, blanc, rouge. Il en voit partout là. Il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà. Et Romain derrière qui doit faire coucou, tu me vois? Voilà. Et donc là, ils sont déchaînés les deux pilotes. Allez, Chappie qui a réussi à se redonner un petit peu d'air. Mais je pense que ça n'a pas duré. Alors, les pneus de Chappie, ils sont très beaux. Les pneus de Romain, ouais, ils sont un petit poil mieux, mais c'est vraiment très très léger. Donc, je ne pense pas que ça ait une influence au niveau des performances de l'une ou de l'autre des voitures. Donc là, ça y va. Salut Grigouze. Voilà, Grigouze de la Sunset qui est là sur le live. Allez, Romanino qui se retrouve 10e. 11e pour Nocta. 12e pour Greg. 13e pour Fredzen. Après son Arrowstand, il a remis les moyens. Voilà, il est parti pour aller jusqu'au bout aussi. Cosmic en tendre. Avec des tendres neufs, un demi-réservoir. Allez, ça y va, ça continue. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Allez, Accor premier, Xat deuxième, 1 seconde 7. Alors Accor, je pensais qu'il allait réussir à s'enfuir beaucoup plus vite de Xat, parce que Xat est en moyen, mais Xat tient un rythme de fou avec ses moyens. Si on regarde bien, il se traîne pas. Et même Nick Taff qui le suit en temps n'arrive pas à le rattraper. Et ça le rattrape, mais vraiment tout doucement. Pitabor 4e. 5e pour Monster Frag. Ouais, Smoker. Voilà, par contre, on va passer sur des clients qui ne s'arrêtent plus. Smoker ne s'arrête plus. Zizou derrière doit s'arrêter encore. Parce que Smoker, s'il s'arrête plus du tout. Là, ça va être beaucoup de temps de gagner pour le pilote RP1. Chappie et Romain qui se bataillent. Chappie toujours à tendre, Romain à tendre aussi. Pour cette 8e place. Romanino 10e. 11e Nocta. Nocta qui ne s'arrête plus non plus, je le sais. Donc Greg qui devrait s'arrêter de nouveau. Greg qui a de nouveau des dégâts. Ou alors peut-être qu'il n'a pas réparé. Je pense qu'il doit avoir de nouveau des dégâts, Greg. Fredzen qui ne s'arrêtera plus non plus. Et Cosmic qui devra s'arrêter de nouveau. Allez, Accor toujours premier. 2 secondes 0, 2 secondes 300 d'avance sur... sur Xar, donc la BSR contre le RC et la GRD, les trois pilotes qui ont pris une belle avance pour la victoire. Et Nick Taff qui vient de récupérer le record du tour en 1:40582. Sans oublier, par contre, il ne faut pas oublier Smoker, parce que Smoker n'a plus besoin de s'arrêter au stand. Donc attention, parce que là, ces pilotes-là vont devoir s'arrêter, ils n'ont pas assez d'essence pour aller jusqu'au bout. Aucun des trois. Et même, je pense que le premier à s'arrêter sera sûrement Accor. Donc là. Attention à ça, c'est en prendre en compte que Smoker
Le Pieter P1 ne doit plus s'arrêter. Allez, on va voir un petit peu cette bataille entre l'ERC et la GRT. Xa contre Nictaf. Ah, dans la montée, qu'est-ce que ça va dire? Est-ce que la SPI va être suffisante pour arriver à le doubler en haut? Et ça se décale pour Nictaf. Et au freinage. Et c'est fait au freinage. Voilà, la réaccélération, les pneus moyens ne sont pas assez performants pour arriver à réaccélérer aussitôt que les pneus tendres. Attention que ça va suivre comme ça. Ne pas te faire surprendre par la différence de gomme. On voit qu'on a quand même... Ouf, Nictaf a glissé, Xa derrière a fait la même. Attention, Pit à bord 3ème, Oleya 9 secondes. En tout cas, on voit que Xa, il donne tout ce qu'il peut avec cette voiture. Il lui fait cracher tout ce qu'elle a dans le cadre. Et dans le moteur, bien évidemment. Allez, Pit à bord, qui se retrouve 4ème pour l'instant. Qui est tranquille. Allez, Monster, 5ème. Alors, 6ème pour Smoker avec 3 fous furieux derrière. Alors, il y a Zizou qui est là, qui est en moyen. Il y a Chapi qui surride de Zizou et je pense qu'il va pas tarder à l'attaquer. Pour récupérer cette 7ème position, parce que à surveiller le pilote Zephyr, il y a du niveau là, il y a du gros niveau. Allez, Chapi, on va un petit peu suivre Chapi, ce que ça dit là, et il essaie de changer de trajectoire pour essayer de récupérer Zizou pilote 7-7. Chapi ZPR. Et derrière, on peut voir Romain T3GT qui suivent le rythme. Ils sont tous les trois vraiment dans la même seconde. On peut voir ça. Et Smoker qui en profite, il s'enfuit pas, mais il comme Zizou ne remonte pas dessus parce qu'il surveille ses rétros, il perd du temps. Donc Chapi aussi en paire et Romain aussi, les trois pilotes en paire. Voilà, mais la bataille, elle est là pour ça, elle est là pour faire perdre du temps. Oh, Zizou qui est allé un peu à la faute. Allez, Chapi est passé. Est-ce que Romain en profite aussi? Oh, Romain voudrait bien se décaler, il se décale quand même. À l'accélération, ça glisse un petit peu pour Romain. Il se remet de suite à l'aspi. On va rester sur Zizou là. Parce que là, ça va sûrement faire un autre dépassement. Au bout de la ligne droite, ça a vraiment tout donné. Allez, Romain qui se décale. La T3GT contre la 7-7. Le freinage, Romain il a l'avantage à l'intérieur. Et c'est passé pour Romain. Est-ce que Zizou va en profiter? Est-ce que la 7-7 va en profiter pour recroiser? Non, ça ne recroisera pas de suite. Mais en tout cas, c'est reparti pour le duel Chapi Romain. Ils sont tous les trois relancés. Et Zizou qui va s'accrocher pour continuer sa course. Parce que là, il y a un petit train là qui s'est formé. Alors on va voir si ça va aller. Maintenant, il faudrait voir si ça remonte sur Smoker. Eh, ça remonte sur Smoker. Mais je sais que Smoker ne devrait pas tenter le duel, presque à laisser passer, puisqu'il sait que c'est de là vont devoir s'arrêter de nouveau. Allez, ce qu'on va faire, on va retourner voir la tête de course. Parce que là, il va y avoir... hop là, qu'est-ce qui s'est passé en tête de course? Donc, Accord toujours premier, deuxième Nictaf. Les pions vont devoir pas tarder, voilà, Accord en réserve. Nictaf, il en est pas loin. Allez, Xa avec ses moyens. Il va pouvoir continuer encore un petit peu. Xa, j'ai l'impression qu'il a perdu la deuxième place. Il était deuxième tout à l'heure quand on l'a quitté.
Mais c'est vrai qu'il est en moyen, donc là il perd du temps le Piotr RC. Pitabor 4ème, qui est déjà en réserve. 5ème pour Monster Flag. On voit les Piotr un peu plus. Smoker, lui qui a beaucoup d'essence, puisque là il est parti pour aller jusqu'au bout. Donc je pense que là il n'y a plus d'arrêt pour Smoker. Que Smoker, il a une stratégie. Stratégie bien à lui. Allez, Chappie, 7ème. 8ème pour Romain. Donc. La bataille toujours entre les deux. Et c'est en réserve pour Romain. Chappie, il a un chouïa plus d'essence que Romain. Eh, la bataille coûte cher en essence, c'est toujours comme ça. Surtout que là, une fois qu'il va virer les stands, il va falloir passer au moyen. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé au tout début. Et encore au stand. Donc Diltaf qui récupère la tête de course. Voilà, Xa derrière. Allez, Romain est au 10ème. 11ème pour Nocta. Nocta qui, je pense, ne s'arrête plus non plus. Greg, 12ème. 13ème pour Cosmic et Prezen qui s'arrête plus non plus. Voilà, qui est 14ème. Allez, on va aller voir Accor. Passe Accor, il est 5ème. Il tendra à ravitailler l'essence. Moi, ce que j'aimerais bien voir, moi, Nitaf 1er, 2ème Zar, 3ème Pitabor, Monster Frag. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est Smoker. Est-ce que Smoker va passer devant Accor? Smoker va ressortir juste derrière Accor. Et encore, on sort entendre avec un demi-réservoir, ce qui devrait l'amener jusqu'au bout. Donc, Smoker, c'était une bonne histoire, son castle arrêt, je pense. Et là, sur le grand bien, Smoker, Accor 5, Smoker 6. Ah, c'est bien joué. Chappie 7, Romain 8, 9ème pour Zizou, 10ème pour Romagno, 11ème pour Nocta, Nocta aussi qui s'arrête plus. Donc, Nocta il a fait le taf pour l'instant, puisqu'il a suffisamment d'essence pour aller jusqu'au bout. Après, il faut peut-être faire juste un petit peu attention, c'est tout. Allez, Xa qui se arrête au stand. Xa qui va perdre quelques places. Allez, Greg qui va devoir s'arrêter. Astourci au tour suivant. Allez, je pense à Astourci. Dans sa réserve et combien il lui reste d'essence. Cosmic, 13ème. Fred Z, 14ème. Allez, Nictaf, premier là qui va faire un gros rap. 17 secondes d'avance sur Monster Frag. Allez, Xa au stand qui remet l'essence. Pitabor. Alors, Accor, il en est où? Accor, est-ce que ça va passer sur Xa et Pitabor? Alors, Xa qui va ressortir, entendre. Xa qui est sorti à la mauvaise place. Xa qui est ressorti au mauvais endroit. Xa qui est sorti derrière Chappie. Oh là là, Xa qui est sorti derrière Smoker et derrière Chappie. Romain qui a dû rentrer au stand. Xa qui est là. Parce que tout à l'heure on avait Smoker, Chappie, Romain, Zizou. Et là maintenant on a Smoker, Chappie, Xa, Zizou. Donc attention. Il nous reste 12 tours à faire. Allez, Zizou qui va s'arrêter à ce tour-ci. Salut Raiko. Voilà, Zizou qui est là, en plus il est bien placé, il est 7ème pour l'instant. Allez, Nictaf qui rentre au stand. On va suivre où est-ce que Smoker va se retrouver, où est-ce que Accor et Smoker vont se retrouver par rapport à Nictaf. Nictaf est en train de changer les pneus. Monster Frag aussi.
Allez, ils sont là, les pilotes. Allez, Accor qui est en train de remonter sur la ligne droite. Nectaf qui remet de l'essence. 40 litres. 50 litres. 57 litres pour Nectaf. Un moyen, ça va ressortir un moyen pour Nectaf. Nectaf ressort devant, mais je pense que Accor sur l'élan va passer. Voilà, Accor est passé sur l'élan. Donc, Accor premier, Nectaf deuxième. Smoker troisième. Exact quatrième. Zizou cinquième. Zizou qui n'a plus du tout d'essence. Va falloir qu'il ravite rapidement. Allez, Nocta sixième. Là, ça va commencer à être compliqué, là, les pilotes. Ah oui, Accor, là, il est bien, Accor. Il est bien, Accor. Il est premier, il a pas trop d'avance, mais il est en tendre devant. Allez, Monster Frag, 7e, 8e pour Pitabor. Frenzen qui remonte 9e avec son seul au stand. Chapitre 10e avec des tendres 9, un demi-réservoir. Romain, pareil, 11e avec ses tendres 9 et son demi-réservoir. Ils vont pouvoir cravacher les pilotes. Romagno entend aussi tendre 9, un peu plus d'un demi-réservoir. Voilà. Allez, ça remet le plein pour Cosmic. Greg qui arrive là sur la ligne des stands. Cosmic qui ressort. Ça va faire une bataille entre Greg et Cosmic parce qu'ils vont pas se retrouver très très loin les deux. Nictaf qui a toujours le record du tour. Allez, Accor qui une seconde sans d'avance sur Nictaf. Accor en temps, Nictaf en médium. Là c'est... Ça va être la fin de course qui va être de dingue. Allez, Zizou au stand, 0% d'essence. Il est à sec, il a dû pousser la voiture pour rentrer bientôt. Allez, Xa 3ème et Smoker sur les talons de Xa. Voilà, entre Xa qui est en tendre, donc. Et non, Xa qui vient de repasser Smoker. Smoker était devant Xa, il fait la mauvaise affaire en sortie des stands. Maintenant, il va pouvoir cravacher pour aller récupérer Nictaf. Allez, Nocta qui se retrouve 5ème, qui fait la très très bonne affaire avec ce seul arrêt, on va dire. Allez, Monster Frag, 6ème. Oh, attention, pas être trop loin. Pitabor, 7ème. Pitabor qui a sorti les moyens aussi. 8ème pour Frenzen. Frenzen qui se retrouve talonné par Chapi. Voilà, là ça va vouloir attaquer aussi. Qu'est-ce que ça dit pour Chapi? Allez, Frenzen, Chapi. Romain un petit peu plus loin, 3 secondes derrière, mais là c'est pour l'instant c'est Chapi qui nous intéresse avec Frenzen. Frenzen en moyen, un peu usagé. Chapi en tendre, complètement neuf. Voilà, Frenzen il se décale légèrement. Chapi passe à l'aise dans la montée. Oh, il passe pas si à l'aise que ça, Chapi. Les vitesses de pointe sont les mêmes sur les deux voitures. Voilà, ça passe au freinage. Bon, je pense que Chapi a dû un petit peu trembler, quoi. Il a dû avoir un peu chaud quand même. Allez, Frenzen 9ème. 10ème pour Romain. Romain qui est sous la menace de Zizou. Oh, attention, un trajet un peu large pour Romain. Oh là, il a loupé l'intérieur, mais d'une force. Mais d'une force. Alors, on se moquera pas parce que c'est mon équipier team, mais je me moquerai de lui parce qu'il a loupé l'intérieur d'une force, mais comme il faut. Voilà. Après, je peux pas trop dire parce que moi aussi, je l'ai fait hier. Donc, j'ai loupé hier, avant-hier, durant le training, je l'ai loupé, donc... Allez, Romagno, 12ème. 13ème, Cosmic. 14ème, Greg. Alors, attention, sur ces courses, les 3 premiers montent de poule. Les 3 derniers descendent de poule. Donc, pour l'instant, ceux qui montent sont Accor, Nictaf et Xa. Donc, pour l'instant, la course n'est pas terminée, il reste 9 tours.
Donc là, on va rester sur pour l'instant. Et ce qui est censé, c'est Romanino, Cosmic et Greg. Mais rien n'est fini. Tant que le drapeau Adamien n'est pas tombé, tout peut se passer. On le sait, on l'a déjà vu par expérience. Donc voilà. Allez, accord toujours premier, 3 secondes d'avance sur Nictaf. Nictaf qui est en train de se faire. Qui c'est pas qui est en train de se faire ramarrer. Qui s'est fait ramarrer par Xa avec ses tendres. Les moyens de Nictaf contre les tendres de Xa. Alors là, ça va donner, je pense. Oh, et Nictaf qui a fait sursauter la voiture. Le contact entre les deux. C'est passé pour Xa. Mais c'était très très chaud pour les deux. Allez, on va retourner voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nictaf? Nictaf qui est bien placé là. Je pense qu'il tape l'intérieur. Et oui, il tape l'intérieur. On voit la voiture qui sautille. Et là, ça y va, ça touche un petit peu, mais ça va, c'est passé propre. Donc, à beau dépassement pour le pilote RC. Maintenant, on va voir si Xa arrive à s'enfuir. À laisser Nictaf sur place. Allez, Smoker. Quatrième place. Cinquième pour Monster. Monster et Noctar. Monster qui vient de passer Noctar. Allez, on va voir ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Allez, ouais, ils sont ressortis côte à côte. Toute la montée côte à côte. Monster qui est en tendre. Noctar qui est en médium. Et voilà, et ça parle au freinage. Les pneus t'en parlent. Et ça passe. Allez, donc Pitabor 7ème. 8ème pour Chapi. Chapi qui a réussi à prendre un petit peu d'avance sur Frenzen. Et Frenzen qui est sous la menace de Zizou et de Romain. Oh, et Zizou qui fait la même que Romain tout à l'heure. Est-ce que Romain va pas en profiter? Romain essaie de se décaler. Vous freinage. Ça freine fort. Oh, ça loupe un peu la trache pour Romain. Mais c'est passé sur Zizou. Alors, on retourne voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé pour Zizou? Voilà, Zizou, et oui, qui loupe et qui touche comme Romain tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de dégâts pour Zizou. C'est moins normal, ça perd une place. Mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. Ça va un petit peu sur les boulettes, mais rien de très très méchant. Voilà. Et Zizou qui tente sur Romain de suite à repasser, mais Romain est resté d'un ton autoritaire devant. On va essayer de récupérer Frenzen. Ah, Frenzen qui est là. En tout cas, cette fin de course palpitante. Là, qui entoure Frenzen, qui se retrouve très très proche de Romain. De Romain qui trouve très très proche de Frenzen. Allez, Zizou qui est derrière, moins d'une seconde aussi. Qui est là, Zizou. Romaino, 12e. Cosmic, 13e. Et Greg, qui est là. Tous ces pilotes n'ont rien lâché. Du premier au dernier, ils n'ont rien lâché. Même dans la difficulté, ils sont restés là, ils sont restés calmes. Et ils sont restés très très bons. Allez, accord, le pilote BSR toujours premier, 2 secondes 8, 2 secondes 9 d'avance sur Xa. Xa qui fait parler ses pneus tendres aussi. Nictaf qui essaie de résister mais qui se retrouve quand même à 2 secondes derrière Xa et déjà 5 secondes de retard sur accord. Smoker pareil, Smoker qui en plus est obligé de faire des échos. Oh, Nocta qui est entendu au stand avec un dégât. Nocta qui est attendu au stand avec un dégât. Est-ce que par hasard on arrive à voir ce que c'est son dégât? S'il avait déjà avant ou pas? Et il avait déjà. Bon. Je me suis dit, avec un peu de chance, peut-être qu'on le verra en train de prendre son dégât. Voilà. Et Frenzen qui a été passé par Romain et par Zizou. Allez, on va retourner voir un petit peu ce qui se passe dessus. Donc, Smoker 4ème. Nocta 3ème, Smoker 4ème. 5ème pour Monster, 6ème pour Pitabor, 7ème pour Chapi, le pilote Zephyr.
Romain T3GT qui se retrouve 8e, 9e pour Zizou, 10e pour Frenzen. Oh, Frenzen qui a dû avoir un gros gros souci, là, l'avant complètement détruit, l'arrière détruit. Là, il a qu'une seule solution, c'est ramener la voiture. Il a 3 secondes 100 de marge pour rester dans les... Et non, il a un peu plus que ça. Eh oui, il a 3 secondes 5 de marge. Parce que Frenzen est 10e, 2 secondes 8 et Gromagno qui est non relégable. Par contre, Nocta derrière 12e, lui est relégable. Par contre, il est en tendre. Et il vient de ressortir après tous ses dégâts avec le couteau entre les dents. Donc je pense qu'il est pris à finir. Fred, salut Fred. Voilà, donc il est là, Xa, il est deuxième. Allez, on va aller le voir, on file descendre. Là, il y a cette belle bataille entre Romagno et Nocta. Et je pense que Nocta, au bout de la ligne droite, là, ça va passer. Et ensuite, on va aller voir Fred. Fred, on va voir Xa, parce que Xa il est pas très loin, il est deuxième. Il nous fait une superbe course. Wouhouhou! Attention à pas prendre la pénalité, on voit que c'est à l'attaque, mais il y a attaque et après il y a dépassé la limite. Et dépasser la limite, ça coûte très très cher. Allez, est-ce que ça va y aller? Ça y va pour Docta à l'intérieur. C'est magnifique, petite résistance. Résistance Romagno, non, c'est passé pour Docta. Allez, en Romagno 12e, 13e pour Greg. 14e pour Cosmic, Cosmic qui a la voiture complètement détruite aussi, comme Fredzen. Et qui ne va pas tarder à se faire prendre un tour par Accor. Allez, Accor qui justement là, on le voit, Accor, 4 secondes derrière Xa, le pilote RC. Et Xa qui a le record du tour en 1:40-122, en sachant que le record du tour c'est un point de plus. Donc ça y va. On voit qu'il ne lâche rien les pilotes. 1 seconde 6 derrière Yannick Taf. Donc le podium provisoire, il est là. Accor, Xa, Yannick Taf. Mais rien n'est fini. Une boulette d'un des pilotes. Et c'est toutes les cartes peut-être redistribuées. Surtout que si on a bien vu, les pilotes qui ont un dégât perdent énormément de temps. Allez, Smoker. Smoker qui va finir sur les jantes. Et si c'est pas sur les jantes, ça va être sur les disques, parce que là il lui reste plus beaucoup au niveau des pneus avant droit, des pneus droits, pardon, l'avant et l'arrière. Mais il a quand même 6 secondes d'avance, plus de 6 secondes d'avance sur Monster, donc il peut tranquillement voir venir. Allez, Monster 5e. Ouh, il y a eu une pénalité. Je sais pas qui c'est qui a pris la pénalité, parce qu'il y a le drapeau bleu. Et je pense que c'est Cosmic qui a 3 secondes de pénalité. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Cosmic? Est-ce qu'il a tenté de passer par les stands? Allez, Pitabor 6e. 7e Chappie. Ça va être compliqué pour aller chercher Pitabor. Il y a 16 secondes d'écart. 8e Romain. 9e Zizou. Là, ça s'est un petit peu écarté tous ces pilotes. Nocta 10e devant Romagno. Là, c'est deux pilotes dans l'ensemble sauvés. Greg qui se retrouve 12e. Fredzen qui s'est arrêté mettre des timbres. Et pour finir, pour réparer ses dégâts, s'il y avait beaucoup de dégâts, et Cosmic quoi, qui est là en timbre aussi, qui est 14e. Allez, encore toujours devant, 3 secondes 7. Ça se maintient, les 43 à Corexa. Il leur reste 4 tours, 3 tours et demi, plutôt à dire même. Donc, attention, là, il n'y a rien de fait. Puisque là, on voit que Xa, il est sous la menace aussi de Frenzen, parce qu'il a doublé Frenzen. Mais Frenzen qui a ses tendres neufs, là, qui doit mourir, parce qu'il se dit, si je peux en remonter deux, avec mes tendres maintenant, il a les capacités pour aller beaucoup plus vite que ce qui est allé là, ou même aller chercher le record du tour.
pilote malchanceux de ce soir, Frenzen, le pilote DTS, le pilote Zeta. Puisqu'il a eu un bug volant durant les qualifs, il est parti dernier avec un tour compliqué. Parce qu'il a réussi à faire un seul tour chrono. Donc ça a été une soirée compliquée pour le pilote DTS. Mais il est toujours là. Il lâche pas le beefsteak. Donc allez, on va continuer à descendre. Allez, Nick Taff 3ème. 4ème Smoker. Smoker qui fait une avec un seul arrow au stand, il se fait un super relais. Vraiment magnifique le relais du pilote. Les deux relais. Parce que là il arrive en bout de son deuxième relais. Il lui reste 3 tours. Voilà à faire. Donc là il est vraiment au bout du bout. Allez Monster. Qui ramène la voiture là tranquillement. Hey, il peut peut-être aller chercher Smoker. Il faisait plus de 3 secondes. Ça lui ferait une seconde à récupérer, un peu plus d'une seconde au tour. Hey, c'est peut-être jouable pour aller chercher Smoker et récupérer cette 4ème place. Allez, Pete à bord. Sixième, par contre là, il n'a plus qu'à ramener la voiture. Pas de casse, juste la ramener. Il y a un écart suffisant pour ne pas la mettre totalement à l'attaque, la voiture, la mettre qu'à 90%. Puisqu'il ne faut pas aller trop bas pour ne pas se déconcentrer. Et ça ne sert à rien de faire des tours qualif. Ce n'est plus nécessaire. 12 secondes de retard sur Monster. 15 secondes d'avance sur Chappie. Chappie est rapide, mais pas à ce point-là. 15 secondes en 3 tours. Même sur moi, je pense pas qu'il y arrive. Allez, Romain. 1 seconde 8. Et 1 seconde 5 même. Chappie a peut-être fait une petite faute à la réaccélération. Bon, rien de méchant. Allez, Zizou derrière. 9ème. Le pilote 7. Nocta. 10ème. Romagnino qui suit 11ème. Allez, Greg, 12ème. Frenzen, 13ème. Et 14ème pour Cosmic. Allez, on va retourner voir Accor, voir un petit peu. 41ème tour. L'avant-dernier tour. Le pilote BSR qui suit l'orine, qui a l'orine. La réserve est allumée, mais ça devrait aller. Il faut pas faire le coup de la panne. Il n'y a pas de gens, toutes demoiselles à côté pour que tu puisses faire le coup de la panne. Donc non, il n'y a pas de coup de la panne d'essence. Ouais, attention à l'intérieur. Allez, Xaki. Oh, Xaki va un petit peu loin. Pff. Oh là là. Oh, Xa, je suis cardiaque. Il faut pas me faire des coups comme ça, quoi. À l'avant-dernier tour, mais t'es fou, toi. Allez. Troisième Mictaf qui est toujours là, voilà en réserve, mais c'est RH Robo aussi. Wow. Frenzen derrière qui sort large, on va dire. Allez, Smoker 4ème. Qui a même réussi à regagner un petit peu de temps sur Monster. Ah, Monster qui a peut-être perdu. Hey, Monster qui a un dégât maintenant. Qui n'avait pas tout à l'heure. Allez, Pitabord 6ème, Chappie 7ème. On va aller un peu plus vite parce que Romain 8ème, Zizou 9ème. Parce que là, on rentre dans le dernier tour pour la tête de course. Et je voudrais pas les louper. Donc, Nocta 10ème. 11ème pour Romagnon. 12ème pour Greg. Qui remonte bien, qui a un drapeau bleu. 13ème pour Frenzen. Et Frenzen qui se paye le luxe d'essayer de doubler Nictaf. Après, il peut, c'est le dernier tour du moment qu'il n'y a pas de contact avec le pilote. Bon, c'est pas. Allez, là, c'est pas le moment où il faut se sortir, faut rester sage. Même si un retardateur veut vous redoubler, il vous redouble. C'est pas grave.
C'est l'arrivée, c'est le moment où on arrive au bout de la course. Donc là, ça... Allez, voilà, Accor qui va pas tarder à arriver. L'avant-dernier virage. Allez, voilà. Oh, et Greg qui s'est sorti large. Je pense qu'il s'est sorti un peu large pour laisser passer, pour pas faire un tour de plus. Allez, Accor qui prend le dernier virage. Ça arrive vers la ligne d'arrivée. Voilà, encore le vainqueur victorieux. Deuxième Xa qui arrive en tête à queue. Nitaf 3ème. Frenzen 13ème. 4ème Smoker. Par contre, le souci de faire une tête à queue à l'arrivée, c'est que ça fait des drapeaux jaunes. Voilà. Et que s'il y a une bataille, ils ne peuvent pas doubler. Ou alors ils prennent 3 secondes de pénalité. Allez, Smoker 4ème. 5ème pour Monster. Cosmic 14ème qui passe, qui en profite pour passer. Allez, Pitabor 6ème. 7ème pour Chapi. Romain qui le suit 8ème. Ça arrive. Voilà, Chapi qui est là. Romain qui le suit 8ème. 9ème pour Zizou. 10ème pour Nocta, 11ème pour Romagno, 12ème pour Greg, 13ème pour Frenzen et 14ème pour Cosmic. Voilà, bien joué messieurs. Voilà la combi d'accord du pilote victorieux, pole position, la course parfaite. Il a fait le taf, il a fait tout ce qu'on lui a demandé ce soir. Bravo à lui, je vais sauvegarder la rediffusion. Ah, je vérifie que c'est bien fait. Allez, je vais vite faire un petit screen des résultats. Tac, et maintenant on va inviter les pilotes à l'interview. Pour ceux qui veulent venir, je répète, aucune obligation. Chaque pilote a le droit de choisir, soit il vient, soit il ne vient pas. Je ne suis pas méchant, je ne mords pas, en tout cas pas encore. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Allez, on va les inviter. Voilà, on va voir s'ils arrivent sur la partie. Et s'ils veulent bien venir, on fera des interviews. En tout cas, nous avons eu cette superbe victoire du pilote Accor de la BSR en 1h12 minutes 21 secondes et 650 millièmes. Salut Monster. Voilà. Salut, bonsoir. J'espère que ta soirée s'est bien passée. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Je fais un petit tour et on va voir. Ensuite, on va attaquer les interviews. Et si tu es le seul, ben, tu auras une interview tant que tu veux. Je suis le seul, non. Pour l'instant, tu es le seul à être arrivé. Après, je pense qu'ils sont tous partis boire, manger. Est-ce que tu as Yves? Est-ce que tu as Pete Butamor? Je suis avec lui, je peux l'inviter. Normalement, j'ai invité tout le monde. Bon. Après, peut-être que j'en ai loupé un, mais normalement, j'ai invité tout le monde. Allez, on va aller voir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Ça arrive. Donc, allez, on va aller voir ce super chrono passé. Xa de l'ERC qui a le chrono. Accor, il nous a fait la pole position, il nous a fait la victoire, mais c'est Xa qui a le record du tour pour ce soir. On a vécu une course à rebondissement. Il y a eu des stratégies différentes pour chaque pilote. Donc vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que là, on va passer aux interviews. Et on va aller voir un petit peu tout ça. Puisque là, franchement, magnifique. Alors on va commencer par Accor. Parce que il nous a fait une course. Mais tu nous fais la pole position. Tu nous fais un départ en médium où, sur le coup, c'est vrai que j'ai quand même un peu douté. Et dès que tu as remis les temps, ben, tu as aligné. Ouais, c'est ça voilà. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ouais, la course s'est bien passée. Enfin, même la qualif. D'habitude, j'ai toujours du mal en qualif. Là, je crois que c'est l'une de mes rares pôles. Donc, plutôt content de la qualif. Départ en médium. Parce que je m'étais dit qu'avec les tendres, ce sera peut-être ce sera mieux au niveau du poids quand il y aura moins d'essence sur les deux autres relais. Du coup, j'étais pas mal à l'écho des carburants, j'ai perdu pas mal de positions au départ du coup. Ouais. Mais au final, petit à petit, j'ai pas fait d'erreur.
C'est rare. Et au final, bah, ça s'est bien passé. Super, super, super. D'ailleurs, j'ai eu un peu de chance. Un peu de Salut, chance. gars. Salut, Chapi. Salut. Parce que sur mon dernier relais, je suis ressorti juste devant Smoker. Oui. Donc heureusement, sinon j'aurais perdu pas mal de temps derrière et j'aurais pu perdre la victoire par rapport à Xaf et Nuktaf. Du coup, ouais, tout s'est bien déroulé. Super. Alors, tu sais quoi? On va aller voir Xa parce que toi, t'es sorti devant Smoker. Mais Xa, il est sorti derrière Smoker et en plus avec Chappie au milieu. Donc, mais quand même, t'as réussi à nous faire le record du tour. Tu finis deuxième à 2,5 secondes. Ouais. Donc, la moindre petite faute de. D'accord, et t'étais devant. Donc, vas-y, raconte-nous ta course. Mais en tout cas, tu nous as fait une superbe course avec ce passage en moyen, deuxième relais. Franchement, magnifique. Merci. Quand même difficile pour moi. Circuit compliqué, je roule très rarement dessus. J'ai eu un entraînement cette semaine dessus. Ça m'a mis un peu dans le bain, je veux dire. Maintenant, question strat. J'ai toujours parti sur cette stratégie-là. Ça, je n'ai rien perdu dessus. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, peut-être rouler un peu moins en médium et faire plus entendre. Je sais pas ce qui était le mieux. C'était une chouette course. Félicitations encore. Derrière moi, je sais plus c'était qui. C'était Nictaf. Voilà. Et ça a bien suivi. Il a fait une erreur devant moi qui lui a coûté la place en fait. Donc ils ont super bien roulé. Un très beau fair play aussi. C'était Ok. cool. Allez, super. Super, super. Allez, on va aller voir Nictaf qui a quand même souffert sur ce dernier relais en moyen. Tu finis quand même troisième, mais le dernier relais en moyen a été dur. Ça va? C'est un peu mieux, d'accord. Vas-y, raconte-nous quand même ta course. Ouais. Ouais, parce que. D'ailleurs, je suis désolé, Yannick Taffin. Bon, désolé, c'est quand même ma faute. Ouais, mais j'ai craqué. Je sais pas, moi non plus, je sais pas pourquoi. Désolé, vraiment désolé. Smoker était sur un arrêt, oui. Ouais. Alors, elle allait pas mal, mais fallait tenir des très très bons rythmes moyens. Voilà. Allez, ok, on va aller voir Monster. Puisque Smoker n'est Oui, pas venu. bonsoir. Bonsoir à toi. Donc, quand même une belle course, cinquième à l'arrivée. Avec ce dernier relais, tu as eu un souci sur le dernier relais. J'ai vu que tu Ouais, avais eu un malheureusement, contact. Tu le as fait un dernier bisou au relais. mur? J'ai fait un bisou au mur, ouais, j'avais Smoker, je pense qu'il a transpiré fort parce que si j'avais pas tapé la voiture, je l'aurais eu. Je reprenais 2 secondes par tour. Mais oui, j'ai vu ça, tu revenais vite. Et puis voilà, j'ai fait une erreur, j'ai tapé le mur, j'ai cassé la voiture, voilà. Donc la quatrième place qui s'envole. Bon, cinquième, c'est pas mal non plus, quand même. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne place. Voilà, c'est vrai qu'on s'est battu avec Nictaf au départ. C'était assez chaud. Et puis voilà quoi. J'ai fait une erreur à un moment donné sur le premier virage. T'as freiné pour pas me taper, c'est cool. Je te remercie pour ça. Et puis c'était cool. Puis après, il était un poil plus rapide et puis il a fini par passer quoi.
Sinon, voilà, c'était les deux bagarres que j'ai eues. Je me suis battu avec une carte départ sur plusieurs tours et puis sur la fin, sur le chrono, pour remonter sur Smoker. Et ça, voilà, ça s'est mal passé à 3 tours de l'arrivée. Tant pis, c'est comme ça. Sinon, à part ça, oui, aucun souci. J'ai Aucun fait souci. stratégie. Je savais pas trop stratégie un seul arrêt. J'aurais peut-être dû la tenter parce que j'ai fait un relais médium. J'ai fait un super relais médium en fait. Ouais, t'as fait un très beau relais médium. Oh, oui, ça c'est J'ai vrai. fait tous mes temps dans le même dixième quasiment. Donc je sais pas trop. En tous les Voilà. cas, du coup, j'ai fait tendre, moyen tendre. Voilà. Toute façon, maintenant c'est fait. Hormis que tu Ouais. refasses la course demain tout seul. Non, c'est rare. Mais là, c'est fait. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Voilà. Ouais. Allez, on va aller voir Pythabor, qui est là, donc le deuxième pilote PRT ce soir, puisque c'était toi le premier, donc Monster, Ouais. si j'ai bien vu sur la voiture. Donc, vas-y, Pythabor, raconte-nous un peu ta course, parce que tu as quand même. Alors, le pilote suisse de ce soir, faut quand même le dire. Salut, Et salut à tous. salut. Et tu as quand même fait une très très belle course, tu as eu pas mal de batailles. Ouais, alors bah, les batailles, pas tant que ça. Je me suis habitué à en avoir plus d'habitude, mais là, je me suis retrouvé un petit peu chaque fois, un petit peu derrière quelqu'un, un petit peu devant, mais bagarre, non, pas trop trop eu. Pas trop dans la bataille avec le couteau entre les dents. T'as posé le Non, c'est couteau à ça, côté? j'ai une bagarre D'accord. contre moi-même, disons, pour pas faire d'erreur, puis essayer de suivre le rythme devant. Mais parce qu'il n'y a pas plus mal aussi, de temps en temps, une course comme ça. Mais non, globalement, je suis content, j'ai fait une bonne qualif, mieux que à quoi je m'attendais. Et puis, stratégie, je savais pas trop quoi adopter parce que je me suis pas vraiment entraîné. Donc, j'ai entendu dire qu'il y avait possibilité d'un arrêt ou deux, et puis bah, je suis parti sur deux arrêts. Et Ok. puis les autres, ouais, ils ont bien roulé parce que bah, au début, je suis parti entendre. Il y en a d'autres qui étaient en médium, puis j'ai vu que j'avais pas pris assez d'avance sur Accor, par exemple, ou sur. Il y avait qui encore? Je me rappelle plus. C'était deux Y ou avait trois. Smoker. Ouais, Smoker, il a fait Smoker. un arrêt. Oui, donc il était en médium tout le long. Ouais. Et puis ouais, à mi-course, j'ai compris que ma place finale, ce serait sixième. Bon, après sixième, attends, sixième, c'est pas si mal que ça quand même. Ah ouais. Non, je suis satisfait. Non, je suis content. Je suis allé au bout sans casser la voiture. C'est déjà une belle réussite. Et puis voilà, un petit peu plus de Ouais. train pour la semaine prochaine. Et puis on essaiera d'aller gratter le podium. Exactement. Allez, on va aller voir Chapi. Alors, dis-moi si Ouais, je me salut à trompe. tous. Salut à toi. Dis-moi si je me trompe. T'as fait un tour en moyen. Le premier tour. Bah oui, j'ai eu un dégât à la fin du tour. Hein, et Romain, pareil, je présume, non? Ouais, bah oui, on était l'un derrière l'autre. Il s'est planté, je me suis planté. Oui, c'est ça. Ah, vous êtes allé en Donc, couple, quoi, carrément. pas loin, parce qu'après, on s'est pas trop quitté. Voilà, Non, c'est on est ça. parti sur la même strat. Ah On avait ouais, c'est adapté vrai. tout. Ouais. Donc on est parti sur. Mais moi j'ai fait un tour de médium, mais après j'ai fait trois relais en tendre. Et Romain fait pareil, donc on s'est suivi quasiment toute la course. Hein. C'est ça, Ah ouais, j'ai non, vous. tenté le freinage, mais t'as fermé la porte un peu trop. Ouais, c'était. Ça a été chaud à un moment. Ouais, moi c'était sympa. Et Ouais, après, non, ouais, tout. oui, j'ai lutté pour. Enfin, bon, je suis content de la 7e place hein, à l'arrivée. Je suis quand même assez content parce que je pensais finir plus loin. Ah ouais, là c'est non mais en tout cas franchement vous avez fait une très belle remontée. Vous avez Après, bossé ensemble à un moment, vous avez bataillé après. il y en a d'autres qui sont plantés quand même, quelques dégâts, je pense. Ouais, il y a eu beaucoup de J'ai pas tout dégâts. vu, mais j'en ai vu. Il y a eu un bug volant pendant les qualifs. Ah oui, Là, c'est c'est Franzen, ça, je crois. un gros gros bug volant. C'était compliqué pour lui. Voilà. Allez, C'est quoi? On va aller voir Romain parce que comme il t'a. C'est lui qui va finir ton interview parce que comme vous avez fait la course ensemble tout le long. Donc je pense qu'il peut finir ton interview aussi. Voilà. Allez, salut Romain, à toi, vas-y. Finis l'interview de Salut. Chapi directement parce que là, je sens que tu es chaud aussi parce que vous êtes vautrés ensemble au premier tour, je ne vous ai pas vu. Et ensuite, Ouais, vous mais êtes ça, remontés ensemble. l'accident, on en parlera en off entre nous.
Mais ouais, c'était une chouette bagarre avec Chappie. Le premier tour. Le premier tour, ouais, à oublier. On était tous pare-choc contre pare-choc. Et... J'anticipais quand même, je crois, cette équipe, devant moi, c'était Mocha. Mais ouais, c'était compliqué. En plus, c'était le virage le plus dangereux du circuit pour moi personnellement. C'est là qu'on se plante et je repars, je casse devant et derrière 12 ou 13 secondes de réparation. Donc j'ai fait le maximum pour pas finir dans les trois derniers. Ok, ben alors le contrat est rempli. C'est ça, et un petit merci à Frenzel, il comprendra. D'accord, il comprendra. S'il est dans la partie, je sais pas. Il est pas dans la partie, mais peut-être qu'il réécoutera ou qu'il écoute le live là. Donc, on verra bien s'il écoute le live ou pas. Voilà. Ok, messieurs. Donc, en tout cas, franchement, pour cette marche 1, ça a été extrêmement relevé. Ça a été un niveau de dingue. Sur le live, on m'a dit que durant les qualifs, vous aviez les chronos de la poule B. Même quelqu'un qui m'a dit plus vite que la poule B, donc je ne suis pas allé vérifier par contre. Oui, mais j'ai vu les chronos. Ouais. En tout cas, franchement, vous aviez eu un rythme ce soir toute la soirée magnifique. Après, dommage pour Frenzen qui aurait pu, je pense, faire quelque chose d'exceptionnel aussi, mais il a eu ce bug volant au départ et il a manqué de chance toute la soirée. Mais franchement, en tout cas, vous avez fait une super soirée. Oui, c'est pour ça qu'il était sur le côté, parce qu'il a fait tout le premier relais avec un dégât. Les qualifs, il a fait qu'un tour de qualif. Donc vraiment, il a été malheureux toute la soirée. Malheureux comme les pierres, on peut dire. Donc voilà. Mais en tout cas, vous m'avez fait faire une super soirée. Et voilà. Donc moi, ce que je vais faire... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la course de ce soir? Ou sur un événement qu'il va faire? Non. Ben. Juste dire que c'est un circuit qu'on roule pas beaucoup en général, mais en fait il est très agréable quand on a un peu pris le coup de main, voilà. C'est un circuit à voir peut-être un peu plus. Exactement. Voilà. Allez, donc sur ce, moi je vais rendre l'antenne. Je vais juste donner rendez-vous donc lundi prochain pour la deuxième manche de la Top Gun Racing. Normalement cette semaine je devais être sur la 908. Mais ça a été annulé puisqu'il y a une poule qui a été carrément annulée à cause des abandons des pilotes. Mmh. Donc, ah oui, on a entendu ça, oui. Voilà, donc je voulais juste le signaler. Donc moi, je ne ferai pas de 908 cette semaine. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et vous dire à lundi prochain. Merci bien à toi. Bonne soirée, merci à toi.